prochaine capsule va être consacrée à la question du développement des collections. On va explorer les bonnes pratiques dans l'optique de clarifier et faciliter cette part importante du travail de votre institution. Le contenu de cette capsule vise à compléter l'information que vous pouvez déjà retrouver en ligne. Les institutions muséales ont pour fonction de regrouper et de conserver des artefacts et du patrimoine immatériel qui témoignent de notre histoire, de nos développements technologiques, de notre créativité artistique et également des espèces animales ou végétales qui sont présentes sur la planète. Au sein de nos sociétés, elles sont les seules organisations à avoir la responsabilité de collectionner et de conserver ces témoins-là. La fonction de collectionnement des musées repose sur des politiques et des procédures. Elles permettent d'encadrer et de guider le travail des professionnels et visent également le respect des différentes lois et des codes de déontologie qui s'appliquent. Parlons d'abord de la politique de développement des collections. L'acquisition, c'est un processus qui doit être pris au sérieux, étant donné ce qu'il implique pour l'institution et plus largement pour la société. Quand une institution muséale acquiert un artefact, elle le fait dans l'optique de le conserver à perpétuité, de l'étudier et éventuellement de le diffuser. L'artefact va être entreposé dans une réserve muséale, qui est souvent déjà presque pleine. De plus, le donateur obtiendra un reçu pour fin d'impôt en contrepartie de son don, et donc, il va moins contribuer au financement des services publics. La politique de développement des collections encadre et oriente les décisions qui mènent aux acquisitions ou aux aliénations. Son contenu se divise en trois grands blocs. Le premier bloc concerne l'ancrage de la politique dans le positionnement de l'institution muséale. Il va présenter le statut légal de l'organisation, les énoncés de mission et de vision, ainsi que les grandes orientations stratégiques de l'organisation. Le deuxième bloc situe la politique dans un processus qui a mené à la collection actuelle. Donc, il va contenir un bref historique du musée, un historique du développement des collections, souvent de la collection fondatrice à aujourd'hui, en passant par les points tournants ou les acquisitions majeures, une description qualitative et quantitative de la collection par champs disciplinaires couverts, comme l'ethnologie et l'histoire, les beaux-arts, etc. Cette description-là est également basée sur d'autres critères comme la provenance, les matériaux, l'époque. Les critères vont varier en fonction du type de musée. Le troisième bloc présente la manière dont l'institution muséale entend développer sa collection. Il va inclure deux éléments. Donc, d'abord, les axes de collectionnement qui correspondent aux catégories ou aux types d'objets qui vont être acquis ou recherchés par l'institution. Ils sont notamment déterminés en fonction des objectifs du développement du musée lui-même et des manques importants dans la collection actuelle. Ensuite, on va avoir l'orientation générale du collectionnement, qui consiste à décrire en un paragraphe comment, globalement, votre musée entend développer sa collection. Souvent, vous allez y indiquer un axe de développement prioritaire et expliquer pourquoi il l'est. Le quatrième bloc, quant à lui, va apporter des précisions plus techniques concernant le développement des collections. On va y retrouver des précisions légales, donc les lois que vous vous engagez à respecter et le cadre éthique dans lequel vous vous inscrivez. On va y retrouver également des précisions qui concernent le comité de développement de la collection, qui vont inclure les rôles et responsabilités de ce dernier, sa composition, etc. On va également retrouver des précisions financières qui portent notamment sur le budget d'acquisition, puis des précisions qui concernent les ressources humaines, où là, on va indiquer les rôles respectifs du gestionnaire des collections, du directeur général et du CA dans tout le processus de développement de la collection. Ensuite, des précisions sur les codes d'exception, comme par exemple une clause qui vous autorise à acquérir un objet ou une œuvre qui ne cadre pas avec vos axes de collectionnement, dans le cas de circonstances exceptionnelles. C'est important de vous donner cette marge de manœuvre-là. Mais il faut en faire bon usage puis éviter les dérapages. La Société des musées du Québec a produit un guide électronique sur les politiques d'acquisition et d'aliénation en milieu muséal. Sur le web, vous allez aussi trouver le guide pratique « Élaborer une politique de gestion des collections » qui a été fait par le service de soutien aux institutions muséales du MCCQ. Je vous recommande vivement de consulter ces deux sources d'informations-là à tout moment pour vous guider. Comme l'objectif de cette capsule n'est pas de répéter le contenu d'outils auxquels vous pouvez déjà avoir accès, les deux sections qui suivent aborderont les politiques d'acquisition et d'aliénation davantage sous l'angle des recommandations que sous l'angle des processus. Découlant de la politique de développement des collections, la politique d'acquisition favorise une pratique efficiente, efficace et transparente du collectionnement. D'abord, quelques recommandations liées à la réception d'une offre de don. Au moment où vous recevez une offre d'acquisition, consignez par écrit le maximum d'informations sur l'objet ou l'œuvre. La date de fabrication, les matériaux, le contexte d'utilisation, etc. Questionnez entre autres la personne sur l'historique de possession de l'objet, parce que c'est très important de pouvoir établir la provenance d'un objet ou d'une œuvre. Si la personne souhaite absolument vous laisser l'objet ou l'œuvre, vous lui faites signer un formulaire de dépôt d'objet qui vous dégage de toute responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol.
De plus, n'oubliez pas que tout objet entrant devrait être mis en quarantaine avant son analyse et son traitement pour acquisition. Évitez de procéder à des acquisitions qui comportent des conditions qui sont difficiles à respecter, comme par exemple l'obligation de présenter de façon permanente un objet dans les salles du musée. C'est vraiment quelque chose qui handicape l'institution. Maintenant, quelques recommandations concernant les réunions du comité d'acquisition. Dotez-vous d'une grille d'évaluation qui va servir de guide lors des réunions du comité de développement de la collection. Préparez soigneusement les réunions de votre comité de développement de la collection. Les personnes présentes doivent disposer de toute l'information nécessaire afin de prendre une décision éclairée, c'est-à-dire un dossier complet concernant l'objet proposé pour acquisition. Maintenant, quelques mots sur le processus d'aliénation. L'aliénation, c'est le fait de retirer de la collection, de façon permanente, toute pièce acquise par le musée. Un objet peut être aliéné si une justification valable établit les raisons de son exclusion de la collection. Les processus d'aliénation font partie intégrante d'une saine gestion parce qu'ils contribuent à améliorer la qualité et la gestion de la collection dans son ensemble. L'aliénation par le musée de pièces de sa collection est parfaitement légale si elle respecte les objectifs inscrits dans sa charte d'incorporation et si elle se fait dans le respect de sa politique d'aliénation. Voici en premier lieu quelques petites recommandations générales ou des principes de base à ne pas perdre de vue. C'est essentiel que le retrait permanent de toute pièce de la collection soit très bien documenté, pour que les raisons en soient connues dans le futur et pour protéger légalement l'institution. Autre point, la perte, le vol ainsi que la destruction accidentelle représentent des aliénations involontaires et doivent être indiquées comme telles sur la fiche de l'objet dans le catalogue. Précisons qu'une destruction accidentelle peut être, par exemple, causée par un bris, un feu ou une inondation. Dans la mesure du possible, l'institution muséale doit s'assurer que les pièces aliénées restent dans le domaine public et, si possible, dans la région d'origine. Autant que possible, évitez d'aliéner des pièces qui font partie de la collection fondatrice du musée. Ensuite, voici quelques précisions sur les méthodes d'aliénation volontaire. Le guide électronique de la SMQ énumère déjà certaines méthodes d'aliénation volontaire: le don, l'échange, la vente, le rapatriement. À ces quatre méthodes, j'en ajouterai quatre autres. D'abord, on a le retour au donateur ou à sa famille s'il est décédé. Par contre, si le musée a remis un reçu pour fin d'impôt au donateur, ce dernier doit racheter l'objet à l'institution. Ensuite, on a l'aliénation par transfert dans une collection de recherche pour que la pièce y soit étudiée. Puis, il y a le transfert dans une collection éducative pour que la pièce y soit utilisée à des fins donc d'éducation, ce qui implique une détérioration éventuelle de la pièce parce qu'elle va être manipulée. On a finalement l'aliénation par destruction si l'objet est contaminé ou trop endommagé. La section qui suit concerne le cadre légal des processus d'acquisition et d'aliénation et présente certains points de vigilance. D'abord, certains points liés à la transparence des processus. Le musée gagnerait à diffuser sa politique d'acquisition ou ses axes de collectionnement sur son site Internet. Il peut également diffuser ses informations sur le répertoire des missions et axes de collectionnement de la SMQ. Votre institution doit rendre disponible sa politique d'aliénation si quelqu'un en fait la demande. Ensuite, les aliénations majeures, donc celles dont la valeur est supérieure à 10 000 $, doivent faire l'objet d'un préavis public 20 jours avant la date prévue de leur aliénation. Ensuite, quelques mots pour éviter les conflits d'intérêts. Dans le cas d'une vente d'artefacts, privilégiez toujours la vente publique. Évitez ensuite d'aliéner une pièce à la demande de son donateur. Également, autorisez pas les membres du personnel du musée à acheter des objets provenant de la cession d'une collection dont ils ont la responsabilité. Et ça, c'est valide pour toute personne intimement reliée à ces individus, l'autorité de tutelle, les membres de la famille ou les associés. Puis, quelques autres considérations éthiques ou déontologiques. Ne procédez à la vente d'une pièce que si les autres modes volontaires d'aliénation, que sont le don, le transfert ou l'échange, ne peuvent s'appliquer. Assurez-vous que votre politique d'aliénation réfère à votre code de déontologie et que ce dernier soit basé sur celui du Conseil international des musées, ou l'ICOM. Rappelez-vous que même si sa valeur se retrouve inscrite aux états financiers, une collection muséale ne peut être mise en garantie pour effectuer un prêt bancaire. Les revenus provenant de l'aliénation ne peuvent servir à payer des frais de fonctionnement, comme l'administration, les expositions, la programmation, les déplacements. Tous les fonds provenant d'une forme ou d'une autre d'aliénation doivent être utilisés à la seule fin d'acquérir d'autres pièces devant s'ajouter à la collection existante du musée. Finalement, quelques obligations et restrictions légales. Avant d'être aliénée, une pièce doit avoir fait partie de la collection pendant au moins un an. Dans le cas des pièces classées à la Commission canadienne des biens culturels, ce délai est de 10 ans. Le musée doit s'assurer qu'il a le droit légal de se dessaisir d'œuvres ou d'objets qu'il désire aliéner, donc il doit s'assurer qu'il en a la propriété légale. Le musée doit s'assurer qu'il n'existe aucune restriction légale attachée aux pièces qu'il désire aliéner,
comme par exemple, il ne peut pas vendre ou échanger, contre le gré des donateurs, des pièces ayant fait l'objet d'un don conditionnel, interdisant une telle procédure ou exigeant que la pièce donnée reste dans le domaine public. Toute aliénation de pièces de la collection doit se faire de façon conforme aux lois provinciales, fédérales et internationales en vigueur, notamment la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels, la loi de l'impôt sur le revenu et la loi sur le patrimoine culturel. Au cours de la présente capsule, il a été question de politique de collectionnement et de deux documents qui lui sont rattachés, soit la politique d'acquisition et la politique d'aliénation. Je vous invite à consulter la SMQ ou encore des professionnels de d'autres musées lorsque vous avez des questions concernant le développement des collections, les acquisitions et l'aliénation d'artefacts. Merci pour votre écoute. À bientôt.